سيدة وزيرة، الحكومات السابقة، الزملاء ديالك اللي سبقوك، في ما يجي شي وزير كيجيب لنا شي خطة وطنية، في ما يجي شي وزير على ماشي تف قطاع السياحة في جميع القطاعات كيجيب شي خطة وطنية أو استراتيجية وطنية نبقاو في السياحة. كانت عندنا الخطة أو الاستراتيجية الوطنية ديال 20 مليون سائح اللي انطلقات في 2010 اللي هي دابا 12 عام، ولان كل الناس اللي في ديال القطاع كيعترفوا ان خطه فيها قصور وفشلات. اولا شنو رايك في هذه الخطه هذه ديال 20 مليون سائح، وعلاش فشلات الا كنتي كتشوف فيها فشلات، وشنا هي الخطه البديله، واش عندكم شي خطه او استراتيجيه بديله؟ احنا aujourd'hui au niveau du ministère du tourisme on ne cherche pas à développer une nouvelle stratégie. Sincèrement, je pense qu'on sait ce qu'on a à faire. On connaît les besoins des touristes aujourd'hui dans le monde. On sait par exemple que les touristes sont à la recherche de plus de nature, d'écotourisme, de tourisme rural, de tourisme de montagne, de tourisme sportif, de tourisme un peu exclusif où ils peuvent prendre de belles photos pour Instagram. Donc le tourisme est en train de changer. Aujourd'hui, on sait à peu près ce qu'on a besoin de faire. On a aussi lancé une étude qui nous a permis de mieux cerner les demandes des différents marchés. Par exemple, vous parliez de culture tout à l'heure. On sait aujourd'hui que quasiment les deux tiers des personnes qui viennent au Maroc viennent pour le côté culturel. Mais par exemple, on a compris que la culture doit être un fil conducteur de l'ensemble des produits que nous développons. Par exemple, aujourd'hui, personne ne va aller passer 10 jours au bord de la mer s'il n'y a pas de la culture autour. Personne ne va aller faire un trek en montagne pendant 10 jours s'il n'y a pas de la culture autour. Et donc, nous sommes en train de développer ce type de produit pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, nous, on ne parle pas de 20 millions aujourd'hui. On parle de doubler les chiffres d'ici 2030. Donc, on cherche à atteindre 26 millions de touristes d'ici 2030, qui va passer, pour moi, par préparer le produit. Donc, développer l'animation, on pense que c'est important. Développer l'aérien, parce que les destinations se créent par l'aérien et non pas le contraire. On l'a vu quand on est passé à l'Open Sky, c'est ce qui a permis au Maroc de changer de ligue, donc l'aérien. Et il y a tout ce travail avec les tour opérateurs pour qu'ils référencent le Maroc au même titre qu'ils référencent la Turquie ou le Portugal. Et il y a un autre volet sur lequel nous travaillons, c'est ce qu'on appelle le MAIS, c'est le tourisme d'affaires, des congrès, etc. Parce que ça, pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui permet de remplir, de manière très, très schématique, c'est ce qui permet de remplir les hôtels la semaine. Aujourd'hui, une ville comme Marrakech fait le plein le week-end. Même si on est à 100% le week-end, eh ben, si c'est vide la semaine, on est sur un taux moyen de 50%. Donc, tant qu'on n'aura pas développé ce tourisme de maïs, on ne pourra pas atteindre ce taux de 65%, 70% qui permet aux hôtels de gagner suffisamment pour réinvestir, pour former, pour améliorer l'offre touristique. Donc ça, c'est vraiment une très grande priorité. D'ailleurs, on a un gros projet de Palais des Congrès à Marrakech qui va se faire, qui va accueillir 10 000 participants et qui va en faire vraiment l'un des 10 premiers centres mondiaux de maïs. Donc on est en train de travailler sur ce projet qui, j'espère, va être lancé bientôt.